clientèle dans ce nouvel espace de libre service bancaire qui se trouve à Inspa. Ce type d'espace, comme vous le voyez, on en a une centaine qui sont opérationnels au niveau du Maroc. Et nous avons tout un plan pour les développer, arriver à 300 espaces à un horizon à moyen terme. Alors, les caractéristiques de ces types d'espaces sont les suivantes. D'abord, des horaires d'ouverture élargis, 7 jours sur 7 et de 7h à 21h. La présence d'un agent de sécurité, donc c'est un espace très sécurisé, agréable, chatoyant. Il y a deux gaps, un de dépôt et un de change. Ces gaps permettent de faire des opérations de dépôt espèces, de remis chèques, de change, de virement, de cash express automatique, de commande de chéquier, de paiement de facture, etc. Une quinzaine de services. Notre objectif, c'est de décharger l'agence d'opérations relativement simples, à faible valeur ajoutée, pour pouvoir mieux se concentrer sur le conseil vis-à-vis de nos clients, sur la promotion des services financiers de la banque pour plus les satisfaire et plus leur donner de liberté d'action et améliorer encore plus notre relation. C'est pour ça qu'on a sorti TigeriNet, Tigeri Mobile, où les clients sont extrêmement satisfaits. Et alhamdoulilah, c'est le cas aussi pour ces types d'espaces de libre service bancaire qui sont une première, je dirais, au Maroc. Et nous sommes la première banque à avoir un réseau aussi large avec une très forte capillarité au niveau de l'ensemble du royaume. Ça va de Tanger, Oujda, Tétouan, Lerech, Rabat, Kaza, jusqu'à Dakhla et Layoun. Donc on est extrêmement satisfait de cette réussite et ça va encore s'améliorer, Inch'Allah. Et on va encore développer tous ces types de concepts nouveaux pour le Maroc afin de montrer que notre pays avance et avance dans le bon sens. Et encore une fois, notre souci premier est la satisfaction de notre clientèle et améliorer la relation avec sa banque. Et je vous remercie.